Bonsoir, les orages ont fait l'actualité ce dimanche. Regardez cette impressionnante photo de grêlons de plus de 5 cm tombés cet après-midi dans le sud du département de l'Indre, près de la commune d'Ardenay. Et puis une ligne orageuse a balayé la Normandie, puis l'Île-de-France en fin de journée. Ici l'arrivée sur Paris avec un joli arcus. On a relevé 99 km/h en rafale avec des arbres qui sont malheureusement tombés dans plusieurs régions. Pour demain matin, déjà un risque d'averse localement orageuse entre l'Aquitaine et le Poitou. Ailleurs, ce sera plus calme avec un soleil présent dans le sud-est bien que voilé. Dans l'après-midi, nouvelle réactivation du risque orageux, notamment de l'Aquitaine en remontant jusqu'au bassin parisien. Localement, de la grêle pourrait tomber. Ce sera plus lumineux dans l'est du pays. Et pour la soirée, le risque orageux va s'étendre vers la Bourgogne, la Champagne ou encore l'Île-de-France. Soyez prudents, on pourrait avoir des cellules accompagnées de grêle. Les températures seront relativement douces en matinée, entre 12 degrés pour Rouen et 21 degrés à Perpignan. Et pour l'après-midi, elle s'annonce contrastée, seulement 22 à 23 pour le nord-ouest, mais on attend 30 degrés à Strasbourg, 32 à Lyon et 33 à Grenoble. De nouveaux orages prévus mardi du sud-ouest vers la Champagne, à nouveau un risque de grêle pour ces régions. Les températures bougeront peu, toujours de saison au nord-ouest, mais très chaude à l'est avec plus de 30 degrés et on ira même jusqu'à 36 à Ajaccio. De nouveaux orages sont prévus mercredi de l'Aquitaine aux frontières allemandes, toujours avec un risque de grêle. Ce sera plus calme et lumineux ailleurs avec encore une chaleur forte dans l'est du pays. On montera même jusqu'à 38 degrés à Ajaccio sous l'effet du Sirocco. Pour jeudi, le risque orageux perdure en se décalant vers l'est du pays. Températures qui s'orienteront à la baisse, mais elles repartiront à la hausse pour vendredi, puisque ce sera l'accalmie avec de belles éclaircies. Et le week-end prochain sera estival, du soleil et de la chaleur pour samedi. Et elle s'annonce forte pour la journée de dimanche. On termine du côté de l'aéroport d'Orly avec l'arrivée de l'Arcus en fin de journée. On a relevé une rafale de 105 km/h à la station de l'aéroport. Demain, lundi 19 juin, nous fêterons les Romuald. Bonne soirée.